Bonjour, Lamine Garbi, je suis le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Ce sont les 1000 cliniques et hôpitaux privés du territoire. Une grande nouveauté cette année dans le PLFSS, c'est la notion de pluriannualité, c'est-à-dire que nos ressources sont soit sanctuarisées pour les 3 prochaines années. C'est important, nous travaillons dessus. Parce que les ressources, aujourd'hui, sont rares et nous devons pouvoir avoir une lisibilité. Lisibilité de ces ressources également corrélée à la pertinence et à la qualité des soins. C'est pour ça que nous militons pour avoir une enveloppe dédiée à la qualité et que cette enveloppe soit croissante et que l'on puisse avoir vraiment une discrimination positive des soins. Également dans ce PLFSS, il y a la réforme de la psychiatrie et des soins de suite. Ce sont deux réformes importantes pour lesquelles nous demandons un accompagnement financier parce qu'on ne peut pas conduire de réforme sans accompagnement. Donc nous demandons 10 millions pour la psychiatrie et 20 millions pour les soins de suite. Ce PLFSS également est novateur car il va pouvoir conduire, et je le répète, à cette pluriannualité et une visibilité forte de nos ressources. Les menaces sont quotidiennes et c'est vrai que les hôpitaux publics sont en grande difficulté, en souffrance. La tendance aujourd'hui du gouvernement est peut-être d'aider de manière forte les hôpitaux publics qui en ont besoin, mais de nous oublier. Et c'est important de rappeler que l'hospitalisation privée prend en charge 9 millions de patients, dont 3 millions en urgence, et que nous aussi, nous avons des contraintes, nous aussi, nous avons des tensions, et c'est pour ça que nous revendiquons une augmentation de nos budgets, nos tarifs, public-privé, ensemble, parce que la guerre public-privée est terminée, nous sommes tous dans une même contrainte et dans une complémentarité. Donc nous demandons qu'il y ait une revalorisation de nos tarifs à hauteur de 1%, et ce 1% sera distribué en 3 tiers. Le premier tiers pour une revalorisation de nos salaires, le second tiers pour l'investissement, c'est important d'investir, et le troisième tiers pour nous désendetter. Et c'est vrai qu'en parallèle avec le plan hôpital public, la ministre a souhaité désendetter les hôpitaux à hauteur de 10 milliards d'euros et nous souhaitons aussi qu'il y ait un accompagnement du secteur privé dans ce désendettement et dans cette aide à l'investissement. Il faudrait que l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, soit réévalué. On ne peut pas tenir avec un ONDAM à 2.1 ou 2.4. Il faudrait vraiment qu'il y ait l'année prochaine une bouffée d'oxygène, que l'on puisse sortir de cette crise qui n'est non pas liée au gouvernement actuel. Il faut le répéter, cela fait 10 ans que nous subissons des baisses de tarifs et ce n'est que la première année, 2019, où nous avons eu une petite hausse, 0,5%. Donc on ne peut pas d'un coup de baguette magique, rattraper 10 ans de baisse tarifaire. Donc il faut que l'année prochaine, on accentue, je dirais, l'augmentation de nos budgets pour que le volet social, et c'est la demande, je dirais, de nos collaborateurs, tant public que privé, que ce volet social soit réévalué.